Navigation dans les fichiers du logiciel, il y a une petite astuce assez simple, c'est appuyer sur le bouton Done et vous avez donc les fichiers qui naviguent plus rapidement. Et si on lâche le bouton Done, vous avez la platine vinyle qui revient, comme ça. Donc navigation très rapide, vous pouvez avoir une grande playlist, il n'y a pas de problème. Vous sélectionnez rapidement les morceaux et vous les loadez via le bouton Load Deck. Avec la lecture comme ça. Voilà. Donc, trois fonctions importantes sur cette console Remix. Le jogwheel qui permet de scratcher comme sur une platine vinyle. Le pitch, juste ici. On descend, on augmente la vitesse. Et surtout les loop-in, loop-out, sont comme un petit sampler qui permettent de faire des effets sympas. Vous avez le flanger qui est là, et le beat grid qui est une sorte de beat repeater, qui permet de s'amuser, et les équalisations comme sur une table de mixage traditionnelle. We'll be right back.